Pierre Palmade. Les premières images de l'humoriste marchant librement dans les rues de Bordeaux. Ce samedi 6 mai, Pierre Palmade a pu sortir du CHU Pellegrin à Bordeaux, où il a été transféré. Pour la première fois depuis l'accident de voiture qu'il a provoqué, il a passé un week-end en famille dans le cadre de l'assouplissement de son contrôle judiciaire. Ces images peuvent surprendre, mais il s'agit bel et bien de Pierre Palmade marchant librement dans les rues de Bordeaux. Une scène captée par BFM TV alors qu'il sort du domicile de sa mère en compagnie de deux autres proches. Si l'humoriste de 55 ans a pu passer le week-end en famille, c'est qu'il y a été autorisé par les médecins dans le cadre de son traitement. Le 25 avril dernier, le comédien avait quitté l'hôpital Paul Brousse de Villejuif pour être transféré vers le CHU Pellegrin situé à Bordeaux. Dans cet établissement, il a été placé dans le service de médecine physique et de réadaptation, MPR. S'il était jusqu'à présent assigné à résidence à l'hôpital, dans le cadre de son contrôle judiciaire après sa mise en cause. D'un bébé que portait une femme enceinte de 6 mois. Comme l'ont montré les caméras de BFM TV, après sa sortie autorisée, l'humoriste est rapidement rentré à l'hôpital. La chaîne des infos en continu a également révélé que ses sorties autorisées le week-end n'étaient qu'un avant-goût à encore davantage de liberté pour Pierre Palmade. Si son traitement se passe toujours aussi bien, dans les semaines ou mois à venir, son contrôle judiciaire pourrait encore être assoupli.